monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un haul normal et action. Alors je pense mettre les prix dans l'écran puisque j'ai encore le ticket, parce que je viens en fait tout juste de rentrer de là-bas. Je vais pas vous mentir, normal c'est beaucoup trop cher. Mais pour beaucoup trop cher pour ce que j'ai pris, vous allez voir, c'est aberrant. Mais je vais d'abord commencer par un truc parce que je suis pressée, comme ça je le donne à Max si j'aime pas. Tester ceci, ça vient d'où? D'action. C'est des Oreos en stick comme ceci. Tiens, son petit sachet comme ça individuel. Parce qu'il y a normal qui est ouvert juste en face d'action. Oh, ça sent le chimication. Ça sent les brownies. Non. Attention, il va se monter sur toi. Attention, Junior. Allez, 1, 2, 3. Il est où le fourrage? Je te fourrais mes couilles, regarde. Les os, voilà, coucou. Ah, mais l'image, quoi. C'est fourré, on est d'accord. Pourquoi il n'y a pas de fourrage à sien? C'est mensonger. C'est l'un des trucs. Oh, j'en ai foutu partout. C'est le truc le plus mensonger que j'ai vu. Regardez. Vous voyez la crème là? Non, pas du tout. Bah tu gardes. Non mais vraiment, regardez. Ah. Vous voyez les gaufrettes qu'ils mettent sur les glaces? Bah je préfère encore ça. Gaufrettes là. Mais c'est pas vraiment des gaufrettes. Les machins, les tubes. Voilà. Si ça c'est fourré dans ces cas-là. Tu vois les tubes qu'ils mettent sur les glaces là? Bah c'est carrément meilleur ça. Oh, oui. Mais c'est des langues de chat en fait, mais roulées. C'est la texture des langues de chat. Ah, mais on a légèrement goût de chocolat, mais c'est vraiment. Bah ça non. Limite, le cul des cônes au chocolat sont meilleurs. Oui. Écoute, si tu veux rester avec moi, tu restes, sinon. Non, ce qu'on a fait. Je sais faire, je vais te ralentir, mon dessin. Parfait. Merci bon, Maxime pour. J'ai repris, ça c'est merveilleux. Si vous aimez l'ail, je vous les conseille. Merci, replaçage de caméra. C'est en gros des. Comme vous savez, c'est quoi? Cracotte, biscotte? Les cracottes, là, c'est comme les pains, là. Cracottes. Des cracottes, je crois. Je crois que c'est. Ce ouais, voilà. Donc, c'est comme des cracottes, des morceaux de pain, quoi, bien durs et tout. Mais à l'ail, c'est trop bon. J'adore ce truc-là. J'en ai pris deux. 1,19€, ça, de tête. Action, Maxime, il a voulu ça. Bon. Voilà, ça c'est très bon quand même. Un truc pas très intéressant, ça c'est pour des colis vintage et tout ça. J'ai repris du scotch. D'ailleurs, si au cas où vous voulez mon vintage, je vous mettrai ici. Maxime, vous voulez Kinder Bueno. Donc on en a pris un chacun. J'ai pris ça parce que je l'aime beaucoup. C'est un lait en gros pour les boucles. Je l'ai repris, je vous le conseille si au cas où. Pris, ah oui, en nourriture, ceci, c'est merveilleux. Ça j'adore. J'en ai pris une autre boîte aussi pour Max. Pour les cheveux, ça c'est pas vraiment pour moi, c'est pour ma maman. Donc j'ai pris ça, elle m'en a parlé. Elle verra bien si elle aime bien. Et moi je verrai si au cas où j'en achèterai, on verra bien. J'ai repris mes deux shampoings parce que justement la personne qui en parle dans ses vidéos dit que c'est une très bonne composition. Savoir que quand j'ai fait ma vidéo sur ce test de ces produits-ci, il y a une d'entre vous il y a un moment qui m'avait dit que c'était pas très bon comme composition. Et la fille dans la vidéo en disait du bien. Et moi je les aime bien parce que mes cheveux je trouve qu'ils gonflent quand même bien. Ma mère m'a parlé de ça et je savais pas que c'était de la bonne composition, donc je suis pressée de tester aussi. C'est ces produits-ci de la marque je ne sais pas quoi. Idiot Hungry Hair. Leave-in. Et ça, en fait, il m'en fallait depuis un moment. Je ne savais pas que c'était des leave-in. On va dire que c'est comme la sous-marque, enfin, les dupes des... C'est quoi la marque? Rectis, je crois que c'est ça. Non, Garnier. Donc, bah, c'est parfait. Enfin, j'ai pris ça pour ma mère et moi. Donc, c'est des... Ouais, c'est en microfibre, c'est pour les cheveux et tout. Une pour moi, une pour ma mère. Voilà pour accident. Ensuite, maintenant, on passe à normal. Côté nourriture, j'ai pris ça. En gros, comme des After Eight. Petit Pimps. Je sais pas si on dit. Ouais, Pimps. Voilà. De chocolat noir, menthe. J'aime bien, mais c'est écœurant quand même. Ensuite, j'ai pris des Kit Kat comme ça. On a voulu goûter. Ça, c'est trop sucré. Bof. Vous me prenez un bâton, ça suffit. En fait, en gros, c'est une barre de Kit Kat. Et vous coupez, mince, oh bravo, voilà, vous coupez et hop, beaucoup trop sucré je trouve. Déjà, bah, c'est quand même assez sucré de base, mais là, ça rajoute trop de sucre. Nourriture, j'ai pris d'autres Kit Kat, mais version amande, c'est Maxime qui les a par contre. D'autres trucs de nourriture, j'ai pris ça, ça c'est très bon, c'est à la cacahuète, ça j'aime bien, c'est des petits cookies d'eau, donc ça c'est très bon. Ensuite, j'ai pris ça, c'est une tablette gaufrette, chocolat, c'est plusieurs gaufrettes. On va voir si c'est bon. Maxime, j'ai pris des trucs, des épices, il y avait un normal, il y a un peu de tout hein, quand même. Et puis je sais plus ce qui. On a pris une boisson. Ah ouais, attendez, faut que je vous la montre. Immonde. Un milkshake, en gros, il y avait milkshake, banane, chocolat et fraise. Il y a un médicament que j'ai déjà eu quand j'étais plus petite. Ça a goût de. Ça a la même chose. Donnez à André parce que c'est encore une fois immonde. Ensuite, j'ai pris ça, un masque de nuit. Bah j'en ai, mais je sais pas où ils sont. J'en ai deux pourtant. Et quand j'ai vu celui-ci, écoutez, bah voilà, c'est un lion, hein, donc forcément, je suis lion, j'avais trop envie de le prendre. Niveau ménage, j'ai pris ceci, le fameux produit Pink Stuff, nettoyer le sol. Je vais ouvrir pour ça ce que ça sent. Ah, ça sent, bah ça sent comme les... Le produit pour le que j'utilise pour laver le tout partout. Bah, j'aime plutôt bien l'odeur. Pas non plus merveilleux l'odeur, mais ça va. Trop envie de tester depuis un moment que je les vois sur les réseaux. Oui, je suis un mouton. C'est ça.
Ça a l'air vraiment nul, on est d'accord. Quand je l'ai vu, voilà, je me suis dit, allez, prends-le. J'avais pas forcément envie d'acheter sur Chine ou quoi que ce soit ce truc, donc je l'ai pris. Donc j'en ai pris deux, un pour moi et un pour ma mère. Les recharges à côté, parce que je me suis dit, ça, en 2-3 machins, il n'y en a plus. Hein. Donc c'est quand même 2 euros, donc vous mettez le produit vaisselle dedans. Hop, vous refermez et hop, vous lavez. Je suis pressée de tester, bon ça gratte quand même. Et ça, c'est ma mère qui m'en a parlé. Moi, sur le coup, j'ai pas percuté ce que c'était. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais j'en ai déjà 2 rondes comme ça. Mais pourquoi? Je lui ai pris quand même. Vous savez, c'est des brosses picots en caoutchouc silicone pour faire circuler le sang, pour bien laver, pour enlever les saletés que vous avez dans les cheveux. Ça coûte quand même 8 euros et des brouettes. 8,30 euros. Énorme le prix. Si j'avais su, je l'aurais pas pris. Suite, j'ai pris plusieurs produits testés parce que, comme je vous ai dit, je n'ai plus vraiment mes boucles d'avant. Je vais bien les retrouver. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai envoyé mon téléphone valser. Oui, j'ai pris plusieurs produits pour savoir qui va aimer quoi. Donc, si au cas où il y en a une des deux qui aime un produit, bah, je pense qu'elle ira acheter au cas où. Parce que des fois, bah, si on a des coups de cœur, bah, voilà, vous avez compris. J'ai pris ça. C'est de l'aloe vera. J'ai jamais vraiment testé sur mes cheveux. Donc, on verra. Donc, ça, c'est pour la peau et les cheveux. Donc, je vais vraiment tester. Donc, ça, je crois que cette marque-là. Olika, Olika, ah, j'avais pas vu la marque sur le magasin sur place et juste vu la forme, ça m'a donné envie. Et quand j'ai vu, je crois que c'est coréen si je suis pas folle, en tout cas on dirait une écriture coréenne. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Petite fonction hydratant et apaisant pour la peau, corps, visage et les cheveux. Utilisation appliquée doucement sur la peau ou sur les cheveux. Attention, n'appliquez pas le gel sur la peau lésée. Cas d'irritation de la peau, cessez de l'appliquer. Par contre, ils disent pas s'il faut rincer. Je ne crois pas. Faut que je regarde sur internet comment ça s'utilise. En tout cas, je suis quand même pressée. Ouais, si c'est coréen. C'est de l'écriture coréenne. Vous voyez, à force de regarder des séries, tout ça. Et ben voilà. Puis ben, je suis fan de BTS, les coréens. Donc forcément. Vous trouvez ces deux produits-ci. Donc c'est à la noix de coco. Pas de sulfate dedans. Écoutez, ça m'a l'air bien. J'ai pris le shampoing et le conditionneur. C'est merveilleux. C'est écrit cultri-free et vegan. Quoi de mieux? C'est merveilleux. Enfin, les derniers produits. Donc c'est la même marque, mais il y avait 2 gammes. Juste qu'en fait, j'ai essayé de. Et je me suis plantée. Écoutez, on verra bien. Moi, je ne sais pas. J'ai pris, on verra. Donc, shampoing là, de la marque Cantu. C'est au beurre de karité. Il n'y a pas de sulfate dedans. C'est pour les boucles. Attendez, on va lire un petit peu ce qu'il y a dedans. Pas d'alcool. Il n'y a pas d'huile minérale. Il n'y a pas de sulfate ni de silicone. Il n'y a pas de parabène. Et tout ça, tout ça. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. 400 ml, c'est quand même pas mal. Après, les prix, c'était 7 euros, je crois, 90. Le produit, c'est pas donné. Ensuite, j'ai pris l'après-shampoing, mais là, il y a un avocat. À savoir, comme je vous ai dit, il y avait 2 gammes. Il y avait une gamme avec de l'avocat et l'autre sans. Donc, je crois que je me suis plantée. Pourtant, j'ai pris un autre truc avec l'avocat. C'est pas grave. Au pire, s'il faut, j'y retournerai pour un produit, c'est rien. Donc, ça, bah, c'est pareil. Il y a l'huile d'avocat, du beurre de karité pour les boucles et tout, c'est pareil. Ensuite, bah, j'ai pris. Ceci, c'est une crème pour les boucles. Pareil, c'est la même gamme à l'avocat. Que bon, on a compris. Là, en fait, on a ceci. C'est un leave-in. 3 en 1, en gros. Je crois que c'est ça. 3 en 1, c'est pas lui. 3 en 1, c'était celui-ci de chaque action. J'ai n'importe quoi. Donc, ça, c'est un leave-in. Conditionnaire, repair ice cream. Ice cream, repair cream. Punaise, je ne sais plus parler. Appliquez une quantité généreuse de produits sur cheveux humides. Des pointes en remontant vers les racines. Peignez bien pour une pénétration. Pour une répartition uniforme, ne pas rincer. Il y a davantage sur les pointes des cheveux longs ou sur les zones à problème. Traitement sans rinçage. Voilà, vous pouvez aussi appliquer selon le mode d'emploi pour coiffage quotidien et recouvrir d'un bonnet en plastique pendant la nuit pour une absorption maximale du traitement. Utilisez ensuite la crème hydratante avatrice de boucle ou la crème bouclante à la noix de coco pour nourrir et apporter plus de définition. Ça, bah, bien évidemment, c'est sans rinçage. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Je vais vous dire les prix, surtout de normal. Parce que franchement, c'est beaucoup trop cher pour ce que j'ai pris. À savoir que certains produits, bah, comme je vous ai dit, la brosse, 8,30 €. Les produits pour les cheveux, là, 7,90 €. C'est énorme. Ensuite, il y a des trucs, ça coûte... comme les trucs d'éponge, au total, ça fait 5,60 €. Il y a beaucoup trop de trucs pour un total de 100,55 €. Quand j'ai vu ça, à la caisse, moi, je pensais à une 50aine d'euros. Pour moi, c'était entre guillemets raisonnable. 50 € de plus, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'en reviens pas. Bon, je pense que je n'y retournerai pas de sitôt. À part si vraiment j'ai des coups de cœur pour les produits cheveux. Mais j'essaierai de voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Là, franchement, c'est beaucoup trop cher. J'ai aussi pris un sac, hein, tant qu'à faire, 55 centimes. Je voulais pas, mais sur place, là, on était quand même assez chargé. Bon, bref, écoutez, bah, c'est ainsi que c'est terminé cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Une prochaine vidéo.